Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées, de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs. Le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine et un nouveau mois. Nous sommes lundi 1er avril 2024. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors on va débuter cette semaine avec la sagesse des anges, c'est un magnifique tarot, la sagesse des anges. Je commencerai par la petite philosophie du matin, vous savez, la pensée positive, et je terminerai avec l'affirmation
positive. Et aujourd'hui, la petite philosophie du matin, cette pensée positive, une journée réussie est une journée au cours de laquelle on a su distinguer ce qui était important de ce qui ne l'était pas et agir en conséquence. Voilà la pensée de ce matin. Eh bien, j'ai pigé une arcane majeure et c'est la force que j'ai pigée. Chaque lame, chaque arcane est associée à un archange. Et on peut voir le AR dans le fond de la carte à gauche. Et AR, c'est l'archange Ariel. Ce bel archange Ariel, il est formidable parce qu'il apporte l'abondance, la prospérité ou la satisfaction des besoins matériels. Il est également en relation avec les animaux, la nature et l'environnement. Alors, son nom signifie la lionne de Dieu. Oui, la lionne de Dieu. Et il peut vous aider à avoir confiance en vous tout en restant attentif aux autres. La force, puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon, réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. C'est la carte de la force intérieure, n'est-ce pas? C'est la force, par la bonté et la compassion, par le courage. Alors d'un côté, cet arcane vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez, que vous êtes capable de surmonter, toutes les difficultés actuelles. Donc, cela veut dire que vous devriez avoir la foi et davantage confiance en vous, n'est-ce pas? Et de l'autre, elle vous demande, de gérer vos problèmes avec les autres en usant de mots tendres et de délicatesse. La fermeté n'est pas une solution en ce moment. Il faut faire profil bas. La force, elle vous demande de considérer votre sensibilité comme un formidable outil pour traverser, les difficultés présentement. Si vous avez besoin de vous défendre, faites-le par tous les moyens, mais couplez l'affirmation de soi à la bonté et la dignité. Ça ne sert à rien de taper sur la table, n'est-ce pas? On ne vous demande pas par tous les moyens la lutte, la médisance, des paroles méchantes. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. Quand on vous dit par tous les moyens, c'est de coupler l'affirmation de soi à la bonté et à la dignité. Alors pour certains d'entre vous, on vous demande de patienter. On vous demande le pardon. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. On vous demande aussi de surmonter les difficultés, avec beaucoup d'élégance et de volonté. Avoir le courage de ses convictions, n'est-ce pas? Croire en soi, c'est tellement, tellement important. Alors, vous allez y arriver. Pour les personnes qui rencontrent des difficultés présentement, vous allez y arriver parce que vous avez cette force en vous, cette force intérieure.
C'est pas la force extérieure. Ah oui, moi je suis le plus fort. Non, 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 non. C'est la force intérieure. Vous avez des ressources cachées que vous ne pouvez même pas imaginer. Et vous allez y arriver. Ayez confiance en vous. Ayez foi en vous et croyez en vous. C'est une mauvaise période pour certains d'entre vous. Par contre, d'autres, c'est une belle période, n'est-ce pas? Mais si c'est une mauvaise période pour certains d'entre vous, vous allez sortir de cette problématique, vraiment, par votre courage intérieur et votre volonté. Très beau message, n'est-ce pas, pour commencer la semaine. Je termine avec l'affirmation positive. Je célèbre mes petits comme mes plus grandes victoires. Waouh ! Je célèbre mes petites comme mes plus grandes victoires. C'est une très belle affirmation positive, n'est-ce pas ? Je vous souhaite un beau 1er avril, n'est-ce pas ? Malgré que cette capsule n'est pas un poisson d'avril. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.